Et bonsoir à tous, merci à Squeeze d'avoir terminé sa longue rame. Le blanc, ça pète bien ça, ça j'aime bien ça. Pourquoi pas ce soir? First time le blanc Platinum 4, pourquoi pas? Allez, à tout de suite les amis. Bonsoir à tous, Platinum TV 2, j'espère que vous allez bien, vous m'avez déjà vu à midi lors du déjeuner léger, eh bien je reviens le soir pour encore plus de lol, pour encore plus de fun, toujours en Platinum 3, oh excusez-moi et non, on a été des modes Platinum 4, et oui, une game de 3 avec Twix, excusez-moi, on est maintenant à 1-6, Twix qui est aussi sur IRC aujourd'hui, vous pouvez dès à présent voter en dessous de votre lecteur pour le héros que vous souhaitez me voir jouer ce soir, il a déjà voté Twix, il a voté pour Veigar sur la mid lane. Quel petit bâtard, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez aussi m'attribuer d'autres picks très sympathiques comme un petit Lulu top lane, Soraka top lane aussi. Nous avons Harry qui est en bonne disposition aujourd'hui, 72 votes, 8,64% des gens ont voté pour Harry d'ores et déjà. Et vous avez encore 5 minutes exactement pour voter, donc vous avez encore un petit peu de temps. On a 40 Aatrox de disponibles, on a 34 on counter pick, on a du vote, on a du Zilin aussi aujourd'hui. Alors est-ce que ça sera Zilin, est-ce que ça sera Harry, que ça sera Malphite, Karma en jungle peut-être, ou peut-être un petit Ziggs, et bien c'est vous qui décidez. Dans le Legendary, vous le savez un petit peu maintenant, la formule de l'émission. Tiens, on est en train de m'appeler. Et ah, parfait, bah, je vais y répondre en direct. Hein. On va voir comment ça va se passer. J'ai commandé à manger, donc ça doit être sûrement ces gens-là. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Oui. 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 Oui, c'est ça, oui. C'est tout? Très bien. Les nuggets, vous en avez plus?
On va prendre les beignets d'oignon. Ouais, on en prend 6. Ouais. Oh, je sais pas, quelque chose qui se marie bien avec. Sauce tartare, sauce béarnaise, quelque chose comme ça, non? Allez, merci bien. À tout à l'heure. Au revoir. Et donc, comme vous l'avez constaté, plus de nuggets. Actuellement, donc, au burger que j'ai commandé, bah malheureusement, je n'aurai pas mes nuggets tout à l'heure. Ça me fait un petit peu chier. Bon, bah voilà, sauce barbecue avec les beignets d'oignon. Bah non, je suis pas sûr, justement. Une petite sauce tartare, ça pourrait bien passer. Dans le Legendary, on va reprendre l'émission à la normale. Je vous rappelle que vous avez un jeu flash, évidemment, début d'émission, que je vais tester là, sous vos yeux ébahis. Et je vais vous le passer, bien sûr, sur RC. À droite de votre lecteur, RC, si vous voulez venir discuter un petit peu avec moi, c'est M entre crochets studio, mon AK. J'ai actuellement 3 questions, c'est peu, mais ça va arriver, je ne m'inquiète pas. Un jeu flash, des vidéos fun, une vidéo sexy, un artiste, bien sûr, musique, musique, je vous fais découvrir. Ce soir, c'est une femme, oui, c'est une femme, et elle a le nom d'ailleurs d'un président américain. Mais elle n'est pas américaine, oh, c'est simple, oh, c'est simple pour ceux qui ont un petit peu de culture musicale. Sur RC, vous êtes 500, est-ce que vous allez réussir à deviner? Je ne sais pas, peut-être que non, moi, je ne suis pas au courant de tout. Et bien sûr, du League of Legends, les amis, et on va commencer dans un petit instant, juste après le jeu. Là, je regarde un petit peu le vote. Vous êtes 1400 à avoir voté actuellement. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Je regarde un petit peu. Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, d'accord. Donc arrêtez de voter ce pic-là, s'il vous plaît. Le voyageur du temps a beaucoup trop de votes actuellement. Donc il va falloir arrêter ça direct. 99 votes pour Vegar aussi, hein, quand même. C'est beaucoup. Vous avez été influencé un tout petit peu par Twix, j'ai l'impression. Et c'est un beau salopard. C'est pas grave. Allez, on va partir dans le jeu Flash. Vous avez vu son nom, c'est Continuity. Vous pouvez avoir ce jeu flash bien sûr sur Kongregate, hein, je vous le rappelle, c'est là où je vais choper tous les petits jeux flash. On va unmute parce que j'avais mute, oui, parce qu'il y avait masse son, etc. Et je vous présente le jeu. J'aime bien, moi, vous savez, les jeux puzzle, les trucs comme ça. Et donc, encore une fois, c'est le même genre de jeu que je vous propose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? What the fuck? Vous jouez avec les flèches directionnelles. Déjà, vous le voyez, hein, c'est simplement en haut, ici, là, flèche directionnelle et la barre d'espace. Pourquoi la barre d'espace? Regardez. Eh bien, vous allez directement dans votre niveau avec la barre d'espace. Incroyable! Hop! Vous ramassez la clé rouge. Qu'est-ce qui se passe? Je ramasse la clé rouge, c'est très bien, et je vais à la porte rouge. Wouhou! GG, on lève les bras. J'ai complété le premier level. Ah, j'ai complété le premier level. Oui, monsieur. Et ouais, c'est qui le meilleur? Alors là, et bah le jeu est fini du coup. Non, encore 31 niveaux, on va tester le niveau 2. Je vais vous expliquer justement parce que là, vous avez fait un... Mais attendez, ça va être un peu compliqué. Alors, flèche directionnelle, on s'en rappelle évidemment. Barre d'espace pour entrer dans le niveau où nous sommes actuellement. Hop, on ramasse pas là. On ramasse là. Les roues. Ah! Bah! Bah! Le jeu est bugué. Voilà, j'ai découvert un bug dans le jeu. Bon, d'accord, très bien. Attendez, je refais le jeu de plateforme. C'était pas mal. Je le refais. Et là, vous allez me dire: mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? L'ai-je? Je ne peux pas aller en bas. Ceci n'est pas possible. Je suis bloqué. Blockman! J'ai la solution pour vous. Regardez. Eh oui, on peut déplacer les blocs et pour faire ce qu'on veut après. Et oui les amis communs, regardez. Et puis voilà, voilà la barre d'espace et on a réussi. Ah attendez, barre d'espace et on arrive à finalement avoir sa porte rouge. Pas mal. Ah pas mal l'idée. Eh ouais. Ah oui, Link. Ah oui, là ça demande le Link sur IRC. Ah bah oui, directement là le jeu est intéressant. Effectivement, effectivement, trop fort. OMG, ce jeu me saoulerait vite, nous dit R2O. Et bah, y en a d'autres, ça les intéresse. Je vais vous link justement le petit jeu. Je vais faire un deuxième niveau, hein, le troisième niveau, moi. Hop, Continuity, vous pouvez maintenant accéder à ce jeu Flash et essayer, bien sûr, de le terminer. Vous avez 32 niveaux donc, quand même dans ce jeu, donc vous avez un peu de temps, hein, ouais, un petit peu de temps devant vous. Alors là, un petit peu plus compliqué tout de même, hein. On remarque qu'il y a un trou, donc on va faire comme ça, voilà. Regardez, hop, on descend. Là, petit tempo. Hop, 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 oh, hop. Oh, comment j'ai... Oh là là, comment je le mindfuck. Oh, mindfucked. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien le jeu. Bah voilà, comme ça, vous allez pouvoir jouer aussi avec moi. J'ai réussi les 7-8 premiers niveaux, puis après, je me suis dit, bon, j'arrête, parce que sinon, je vais continuer de geek sur ça, alors que j'ai un démote à faire. Après, j'ai fait mon démote et tout s'est très bien passé.
Aucun souci. Bon, le sondage, est-ce qu'il est fini? Le sondage est fini. 1770 votes ont été collectés. On va aller voir la sentence directement. Qu'est-ce que vous m'avez pris? Qu'est-ce que vous m'avez pris? Ça, c'est catastrophe. Ça va être la catastrophe. Ça va être la catastrophe. Je vais mettre la musique. La playlist Legendary, évidemment. Comme toutes les émissions Legendary, c'est vos musiques que vous choisissez durant le déjeuner léger. Et les musiques aussi qui me plaisent énormément sur un instant T ou alors celles que je vous présente dans le Legendary. Donc, vous avez forcément déjà entendu ces musiques-là. Quelque part, en tout cas, sur mon stream, ça c'est sûr et certain. On commence avec Pink. Voilà. On se met dans une ambiance sympathique. Voilà. On est lundi soir, mais c'est comme si on était jeudi soir. On va bientôt aller faire la fête. Voilà. Et la fête, elle va se passer sur League of Legends. Attention. Allez, c'est parti, le vote, on va regarder ça. Et qu'est-ce que nous avons en stock? Nous avons Harry, 145 votes. Nous avons 135 votes pour Vegar. Nous avons 83 votes pour Karma. 61 votes pour Darius. Nous avons 46 votes pour Udyr. Nous avons 16 votes pour Evelyn. Et 239 votes pour Zilli. Le voyageur du temps à Wade. Très bien. Eh bien, ça doit être les 2,21 gigavolts que j'ai mis récemment dans la voiture. Je ne comprends pas pourquoi ce vote a été plébiscité autant. Mais c'est pas grave, on va jouer à Zilli. Voilà. Ouais, on lance une petite partie. Voilà, je pense que ça sera tout. Et puis, on va aller peut-être aussi... Oula, qu'est-ce qui se passe? Très bien. On va peut-être aller regarder du côté... de mon historique, parce qu'il est pas bien beau celui-là. Non, j'avoue, il est pas top. Là, le dernier historique, regardez, défaite. Une petite victoire en déjeuner léger. Celle-là, vendait du pâté. Bon, celle-là, elle était tard le soir. C'était la dernière partie avant d'aller dormir. Alors, on voit que les statistiques sont pas top. Hein. Le 11-10-5, là, du déjeuner léger aussi. Un 8-1, j'y suis pour rien du tout. Le Aatrox dans la jungle, là, ça s'était plutôt bien passé à la base, mais on a eu malheureusement un Lucian, donc un Karyade qui ne voulait pas. Ne voulait pas jouer, ne voulait pas la gagner, donc tant pis, hein, j'ai envie de vous dire. Et puis après, on aura des games de temps en temps qui sont un petit peu loupés. Troisième pick, est-ce que je vais avoir la chance peut-être de... Ah bah non, mais... Ah non, mid. Ah ouais, mais j'allais dire... Ouais, je vais prendre Aatrox, vous allez voir, je vais le ruiner, ça va bien se passer, maxé. Je vous explique mes runes, mes maîtrises et tout, mais pas du tout, c'est un Zilin que vous m'avez choisi. Alors, Zilin, le mec des bombes. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce héros? Actuellement, pas grand-chose. On se régène, on se met bien. Déjà, on va prendre de la régénération de mana en jaune, normalement, à part si on a un jungle only AD. Si on a un AD au mid, c'est même pas question de ne pas prendre l'armure en jaune, on est bien d'accord. On va voir comment ça va se passer. Premier ban Evelyn, deuxième Thresh de la part de l'autre côté. On garde... Alors, on va reprendre l'Ignite, hein. Parce que j'avais enlevé l'Ignite tout à l'heure. Pourquoi? Parce que j'avais joué Téléporte. C'était pas mal, ça. Eh, je joue Téléport Zilin. Téléport Zilin, alors là on compte pas faire un kill. Hein. Parce que Zilin il a un sort qui fait les dégâts, je vous le rappelle hein, tout de même. Alors sans Ignite, ça va être compliqué de réaliser les kills. Mais si vous voulez, on peut faire le TP. On peut faire le TP. Prends Ignite. On me dit prends Ignite. Bon bah là pour une fois, là je... C'est pas moi qui aurais décidé. On prend l'Ignite. Très bien. Go Zilin support. Non. Non, je vais sur un mid lane. Nous avons un Rusek. Enfin, en tout cas, une personne qui ne parle pas ma langue. Donc, à partir de ce moment-là, il est russe. En tout cas, il est de l'Est. Ça, on en est quasiment sûr. Lead dans la jungle, de la part de mon first pick. C'est plutôt une bonne nouvelle. Non, c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il a juste envie de faire des plays. Ah, on les connaît, ces mecs-là. On les connaît. On va baisser un petit peu la musique de League of Legends. Ouais, ça c'est bon ça. TP Ignite, qu'est-ce que vous me racontez avec votre TP Ignite? Mais pas du tout, on va pas du tout faire ça. Moi je n'aime pas ce pick de TP Ignite. Allez Zilin, ça c'est bon, ça c'est fait. Et c'est parti ça. Allez, un petit Ignite, voyageur du temps. Ah, commun, mais c'est comme ça qu'ils appellent? Eh non, c'est juste que j'ai mon skill voyageur du temps qui m'avait été offert. Et qui a été utilisé, ma fois. Eh ouais. Du désert de Shurimi. Shurima. Zelen Groovy. Très bien. Bon, on va garder l'Ignite. TP Ignite comme Froggen. Non, mais comme Froggen. Sur Fizz. Non? Il joue aussi avec... Il joue aussi Zelen? Il joue aussi TP Ignite? Écoutez, d'un autre côté, avec le E, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un flash? On peut se demander. On a un Shaco contre nous, donc j'ai besoin d'un flash. Voilà.
Ah non, c'est zéro rigolade là. Ah non. Est-ce que tu fais ta dernière mission de Slender ce soir? Non, mon cher Pitcho, je ne la fais pas. Nous n'avons que 3 heures d'émission. Le Legendary est calé sur 3 heures d'émission. Les vidéos fun, les vidéos sexy, les artistes musicaux, etc. On déconne zéro. Eh bah bien sûr, bien sûr. C'est de la ranked, ouais, c'est de la ranked. On est en Platinum 4, on a 75... ça, 75 points. On est à 75 putain de points. Voilà. On est bientôt en BO. Peut-être le BO pour ce Legendary. Ouais, si on la win... Peut-être le BO, parce que j'étais démote lors de la dernière game, vous savez, généralement, si on re-win une game après avoir été démote, ou alors après avoir perdu un BO, on repart directement dans le BO. Enfin, moi, généralement, c'est comme ça que ça se passait. Donc, du coup, je me dis, peut-être un petit BO ce soir. On attend mon pick sur mid lane, hein, tout de même. On a une Zyra, toujours... Ah, c'est un Fizz. Très bien. Comment on fait? C'est... On reste comme ça? Il y a un Shaco. Il y a un Shaco, on va prendre de l'armure. On va prendre de l'armure. En lane, tu vas le défoncer. Oui, oui, alors on va rester tranquille. Hein. Je sais pas si je vais défoncer quelle personne ou quoi. Moi, j'aime bien le poisson. Hein. À partir de ce moment-là, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur pour être tout à fait franc avec vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pub après le crash, etc. Il y a des crashs, apparemment. Je suis désolé, mais bon, ça ne vient pas de moi. Je suis en train de regarder un petit peu l'IRC. Vous êtes 550 à vous plaindre et tout. Vous êtes là. Ah, c'est horrible! Je n'ai plus le stream. Je ne vois plus l'Ège avec son t-shirt rose. Que vais-je faire de ma soirée? Oh, ah, attendez. Oh, si j'attends juste 10 secondes, je reverrai le stream. Incroyable. La bande de slackers impatients au possible. Allez, pour la peine, je vous balance une petite pub. On se retrouve dans 1 minute 30, juste pour le début de la partie. Zilin, mid lane, c'est à cause de vous tout ça. Are you ready? Let's go! Zilin! Oh yeah! Je vais voyager dans le temps aujourd'hui. Ça va bien se passer. On va prendre un autre Doran, on va prendre deux potes, on va faire un autre Doran, on va prendre deux Close Armor et on va attendre le level 6 de Fizz. Je pense que ça va se passer comme ça. Oui, je pense que ça sera à peu près comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est de la merde. Ah merde, c'est de la merde. Gras limpide d'Athènes, je pense que ça serait pas une mauvaise idée. La lame de la déesse, je pense que ça serait pas une mauvaise idée non plus. On va partir sur ces deux items là. Et on va refarmer. Ouais, ça va être bien. Vous inquiétez pas, y a pas de problème. C'est quoi ces frises de tarte, sérieux et tout? Comment ça se passe? Très bien! Solution 50! On coupe le stream, on revient juste après. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un petit reboot. N'ayez pas peur.